Discuter ensemble avec haïtien mais pas de nul droit pour t'a pas venir jeune étranger entré venir accompagner bon haïtien pareil nous venir assassiner le président monsieur bon petit moi là si journée jodi a travailler chez la caille chien ça que on gagne la caille il t'a barré il t'a pas lever dans demain matin ou est chien ça assassiné quand même ou a prendre conscience pour dire faut qu'on connaît comment chien assassiné. Faut que vous connaissiez ce pas un voisin qui est empoisonné. Faut que vous connaissiez mon voisin qui pique. Faut que vous connaissiez mon voisin qui tire. Chien ça que vous avez la caroua, il y a trois bagailles pour faire pour reconnaître que est-ce que les gens qui entrent assassiner chien, est-ce que ce n'est pas un zoo qu'il met devant? Est-ce que ce n'est pas empoisonné, l'empoisonné chien pour chien va japper? Et si chien va japper, on est que chien ça, l'idée de même ça plus que vous. Je ne dis pas, nous ne pouvons pas demander l'autre bagaille, qui c'est justice. Et nous demandons justice pas seulement pour le président Jovenel, pour tout le monde qui mourit par Jean Bezac, assassin de la SAO, que la justice jusqu'à maintenant ne peut pas mettre main sur lui. Moi-même, ça fait mal, ça fait mal, ça fait nous tout mal. Parce que Jean-Président Jovenel mourit, à tout le monde qui est dans la rue, qui t'a appelé Abba Jovenel, ce n'est pas tout qui accepte à Zach ça. Parce que ça, c'est un acte criminel. Côté que vous avez gardé, il y a un pile de monde qui était qu'on a menacé le président, pas Jean-Bezac rien qui dit. Côté que vous avez gardé, il y a un pile de monde qui était même arrivé. Fait tentative pendant deux fois sur le président Jovenel, pas jamais bien rien qui dit, et nous étions pour une troisième fois, nous sommes arrivés à assassiner. Mais ce n'est pas seulement le président Jovenel qui a assassiné. Il a assassiné un rêve que le peuple haïtien a gagné pour Haïti sortir dans ce lieu-là. Depuis dit que d'entendre un pile de bataille qui dit que vous-même, vous êtes bon peuple, vous êtes bon peuple, vous êtes bon peuple, mais le président Jovenel qui fait minimum, non, acte ça que le fait. Combien de temps depuis la campagne, mes amis, le président Jovenel a souffri, il a passé misère, il n'est pas capable, tête graine, négande, tout le bagaille ça, il prend ça, c'est pour nous. Je ne dis pas, président Jovenel, il mourit pour quatre bagailles. Il n'y a pas ni ça que nous connaissons, peut-être bien plus nous qui connaissons l'autre toujours.
Si courant ça que peuple là t'a pas le bénéficier, nous dit nous bataille ça pas frapper parce que son bataille qui a intérêt peuple. Nous dit comme ça que quatre contrats, quatre plus gros contrats qui ont dans le pays. Que le président Jovenel entre même bien fond, il parle de lui. Que des présidents qui ont négocié ensemble avec nous le contrat pour ne pas parler de lui. Le président Jovenel frappe l'estomac, il entre même dans le pacte là. Il dit que je ne dis pas, peuple ça, il faut qu'il y ait une balance qui fait pour lui. Mes amis, regardez quand c'était route qui fait dans la zone en dehors. Ça veut dire, pas qu'il pose en dehors, pas qu'il pose la ville. Tout le monde est point, tout le monde est route. Mais je ne dis Jean-Président Jovenel assassiné, si on brin haïtien, tu vas accepter de Zach ça, même si tu avais n'importe quel problème avec le Jovenel, qu'on est criminel. Parce que imagine, pas seulement assassiné, les Okembe, regardez si nous avons calé avec un Iguaz, ou avons calé nous finir calé. Justice pour le président Jovenel. Si justice, a crié après que. Pas de la blague, justice pour le président Jovenel. Nous avons blagué. Qui va faire la IA. Justice pour le président Jovenel. Ou casser Piel, ou casser Mel, ou PTG, tout vivant, et puis messieurs, pendant le monde entier pour le garder nous. Un bon message que nous allons adresser en espagnol directement à USA et Union Européenne, ensemble avec l'ONU, spécialement et Colombien. Pas si quelqu'un nous qui prêt, si quelques questions que m'a répondre. Primeiramente, yo le voy a felicitar a todas las personas que están dispuestas para aquí, especialmente los periodistas que están aquí. Yo quiero lanzar un mensaje importante para los colombianos, para los Estados Unidos, para la Unión Europea y también para la ONU y la FBI. Yo quiero hacerle solamente 5 preguntas para saber si ellos no conocen a Haití como un país independiente. ¿Cómo va a ser que Haití hace parte de la América y asesinaron un presidente así de esa manera y todavía a una encuesta que está haciendo y nadie dice nada? Quiero saber si los Estados Unidos no tienen capacidad para ver si es verdad quién es culpable y quién no es culpable. Yo quiero saber si la ONU no tiene capacidad para hacer esa encuesta, todavía no puede haber un resultado. Mañana será el entierro del presidente. Tercero, los colombianos, tenemos 26 colombianos que asesinaron al presidente. Todavía la Policía Nacional y la Justicia dice hay 19 que está preso. Ahora, quiero saber cuál es la respuesta que han dado los colombianos que están en la cárcel. Yo quiero saber cuál es la respuesta que ha dado los dos haitianos que están presos. Yo quiero saber cuál es el resultado que ha dado los Estados Unidos, la ONU, los colombianos y aparte de eso la FBI, que está primeramente aquí en Haití para dar una encuesta, hacer una encuesta. Solamente estamos gritando la justicia para nuestro país y la justicia para nuestro presidente. Que viva Haití, Che Guevara y Fidel Castro. Oui, on connaît. On connaît Boulos. Régional Boulos. Dimitri Fab, on connaît. Le président de la République, 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 le président de la République